Pourquoi on a toujours écouté la même chose quand on est ensemble? Tu peux changer si tu n'aimes pas. Tes cheveux ont poussé. Ça fait longtemps. Je suis là, non? Maman, regarde devant toi. On va se faire à feu en arrivant. J'ai tué quelqu'un. Silence, s'il vous plaît, on va faire un sans sol. Bouillonnement de la terre, première. Ça tourne. Allô? Quand?
C'était très beau. Il y avait beaucoup de monde. J'ai tout écrit là. Il y a aussi son médaillon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été comme ça. Je sais. Elle n'aurait jamais dû s'installer là-bas. Ça fait combien de temps que tu n'y es pas allée? 4 ans, je crois. Tu es sûre que tu veux y aller toute seule? Pourquoi on lui a fait ça? Ils savent pas encore. Il faudrait que tu appelles le gendarme qui s'occupe de l'enquête. Elle a souffert. Madame Blanc? Bonjour. Je voudrais vous parler. J'ai rien à vous dire. Viens. Viens. Thank you.
se voyait pas beaucoup depuis qu'elle était à la campagne. J'habite Paris. La piste locale nous paraît la plus probable. La maison a été fouillée, visiblement rien n'a été volé, mais on n'a retrouvé ni agenda, ni carnet d'adresse. Ce qui nous laisse à penser que le meurtrier la connaissait. Peut-être un de ses clients. Vous en connaissiez certains? On ne parlait pas de ça. Qui est-ce qu'elle fréquentait dans le village? Je sais pas. Est-ce qu'elle avait une liaison? Je pense pas. Connaissez-vous monsieur et madame Vielle? Non. C'est le couple qui a trouvé le corps. Ils avaient rendez-vous ce jour-là. Vous l'avez vu quelques jours avant sa mort. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier? Je sais pas. L'accident avec le cerf l'a tellement bouleversé. Je pourrais l'avoir pour quand? Une semaine. Je pensais qu'on en avait fini avec la sorcière. Bonjour, je suis madame Bourmel, comme le maire. Enchantée, Charlotte Méris. J'ai appris que vous étiez là, je voulais justement venir vous voir. Vous présenter mes condoléances. Vous connaissiez ma mère? On a dû se dire un mot ou deux, mais ce qui est arrivé m'a tellement choquée. Alors vous vous installez ici? Venez dîner à la maison ce soir. Il faut vous faire des amis. Vous êtes libre? À 98. C'est des fruits 100% bio. Vous verrez la différence. Tenez. Merci. Ça fait 300 000 tonnes d'engrais par an. N'ennuyons pas Charlotte avec ça. Elle mange bio. Ah ouais? Viens. Il y a une sorcière là.
Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas au lit? Chaque fois! À chaque fois que j'adapte la même histoire, je vais m'embêter! À chaque fois! Je suis pour que le consommateur y soit. Bio, pas bio. C'est bien le choix, non? Ce qui la fout mal, c'est tous ces jeunes qui vendent des légumes au marché et laissent plus le choix aux autres. Culture bio dans la région, c'est une secte. On sait que des tomates, ça termine en messe noire. Charlotte, vous ne buvez rien? Et regardez-moi ces tomates, comme elles sont bonnes. Je suis sûre qu'elles ont goûté à l'engrais de mon mari. J'espère bien. Si on parlait un peu de vous, mademoiselle. Vous travaillez dans le cinéma, on m'a dit. Pour des documentaires animaliers. Je m'occupe du son. Eh ben, vous allez pouvoir enregistrer des cris de poule. Parce qu'il manque dans la région. Bonjour, Jérôme. Ta mère est pas là? Elle fait le ménage à l'église. Tous les jours de 16h30 à 19h. Tu l'as gardé? Allô? Allô, la fabrique de crayons? Allô, il y a quelqu'un?
vous tenez la tête de la faire entrer. Ça va nous porter malheur. Arrête, maman. Je ne suis plus un enfant. Jette-moi ça. Non, quand on est débarrassé de la mère, je n'ai pas encouragé la fille à s'installer ici. Craquement, maison, première fois. Un, deux, un, deux. Allô? Charlotte. Ah bon? Je suis tellement déçue. J'avais tout préparé. En Amérique du Sud? Pour combien de temps? À
rappelle-moi dès que tu reviens. Je t'embrasse fort. Charlotte, va prendre l'air un peu. Tu ne veux pas voir tes copains du village? T'as vu leur tête? Et Jérôme? Vous ne vous voyez plus? Non. De toute façon, ça ne m'en va pas. Tu pourrais abolir leur jardin. T'es enfermée depuis qu'on est là. Et alors? C'est un peu triste de passer l'été à la campagne et de ne pas profiter du soleil. T'es toute pâle. Mais toi, tu t'es vue? T'as aucun conseil à me donner? Passer nos vacances en Angleterre. On a pris un bus avec une vingtaine d'autres personnes pour prendre le ferry. Et plus le voyage avançait, plus on se rapprochait de la mer et plus elle était inquiète. Alors elle a commencé à faire des malaises. Alors on s'arrêtait et puis on repartait. C'était comme si elle voulait nous faire perdre du temps. Et à cause d'elle, on a raté le bateau. Et le bateau a coulé. M'en fous, j'y crois pas, ces conneries. Bah, je te demande pas. Tu comprends pas que je peux inviter aucun copain à la maison avec une mère pareille? Si ça continue, elle va devenir une vieille sorcière immense. Ne parle jamais comme ça de ta mère. Maman? 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 Maman?
Est-ce que vous pouvez m'aider? Vous pouvez faire quelque chose pour moi? Aidez-moi. Je sais pas quoi faire. Ça fait 9 bêtes que je perds en un mois. J'ai une photo, mais je vais vous en apporter d'autres. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous alliez la voir? C'est pas réglementaire. Votre mère m'a beaucoup aidé. Sur un plan personnel. Moi aussi, j'ai vécu un deuil très difficile. Au départ, je suis allé la voir pour autre chose. Il y a un an, un enfant a disparu au milieu de la journée. Il est parti à son corps de violon. Aucune trace. Aucun indice. C'est le fils de monsieur et madame Vielle. J'espère qu'il n'a pas froid. Votre mère nous a dit qu'il était mort, enterré. Puis a dit que c'était de cet endroit que le malheur allait venir. Tu me parles jamais de ta fille. Parle-moi d'elle, je sais même pas comment elle s'appelle. Elle est comment? Elle est forte. À 10 ans déjà, elle savait ce qu'elle voulait faire dans la vie. Je sais de qui elle tient. Oh non. Non, moi je suis pas comme elle est. J'ai mis très longtemps à faire ce que je voulais. Et des années à l'assumer. Tu la vois souvent? S'est renfermée. Je crois qu'elle m'a jamais pardonné certaines choses.
une boîte. Attendez une seconde. Attendez. Attendez. Vous êtes venu voir les cultures bio? Vous êtes venu jusque-là, je vais vous faire visiter. Vous êtes de passage dans la région? Je m'appelle Charlotte Neris. Julien. J'ai appris ce qui s'est passé, je suis désolé. C'était quelqu'un de bien, votre mère. Vous y croyez-vous à toutes ces choses? À la voyance? Tiens, goûte ça. Zéro traitement. Même pas besoin de laver avant de manger. Lance-tu toi? Si tu veux. Elle m'a dit pour vous deux. Je croyais qu'elle voulait pas que ça se sache. Vous auriez dû m'appeler pour le bois. Je pourrais le couper. Tu as déjà beaucoup à faire. Tu devrais plutôt trouver une occupation qui ne soit pas du travail. J'aimerais faire quelque chose ici. Pour vous. Ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que tu fasses quelque chose pour toi. Que tu t'ouvres aux autres. Que tu rencontres quelqu'un. Jérôme. Je me confie à toi sans aucune retenue. Et probablement tard. Qu'est-ce qui te dérange exactement? Ils veulent ma peau, ces connards. Ils veulent que je ferme l'usine. N'exagère pas. Et c'est vrai que tu leur avais fait des promesses. Les engrais organiques, tu te rappelles? On m'envoie une commission du ministère. Comment je sais que c'est pas toi qui m'as balancé? À part celui qui m'a vendu, tu es la seule personne à être au courant pour mon stock. Je t'expliquerai. Je sais que t'as tout noté, j'ai besoin de ces dates. Le 21 août 88. Il était 2h30 quand nous sommes arrivés à l'hôpital. Et l'enquête, il y a du nouveau? Maintenant, ils savent que c'est un homme. Ils font des tests ADN sur tout le monde. Jérôme! Je sais que tu voyais ma mère. Attends! Je veux juste savoir quand tu l'as vue, j'ai besoin des dates, c'est tout ce que je veux. Je veux savoir quand vous l'avez vue pour la dernière fois. Quand? Je sais des choses. Comme ma mère. Vous savez quoi? Moi aussi j'aimerais bien savoir. Qui a fait ça? Je peux pas tolérer des choses comme ça dans ma commune. Alors aidez-moi. Sincèrement, mademoiselle, si j'avais la solution, je vous la donnerais, mais je ne l'ai pas. Vous avez réfléchi?
réfléchis à mon offre. Je ne vends pas la maison. Ben, vous feriez mieux. Parce que ça ne tiendra pas longtemps. Et pour ce genre de bâtisse, il n'y a pas d'assurance. Pourquoi vous la voulez alors? Parce que votre terrain est trouvé comme un gruyère et que moi, je pourrais en faire quelque chose d'utile et de bien pour la commune. Recevoir. Peut-être parce que ton mari l'a consulté. Il avait peut-être vu avant toi. Jean-Pierre? Non. Faut pas assez de trucs. La deuxième fois, c'est elle qui a voulu me voir. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'il fallait qu'on fasse attention avec l'eau. C'était 3 jours avant le meurtre. On ne peut pas être sûr à la minute près. J'ai envie de m'installer ici. Et tu vas faire quoi? Sorcière de village? Maman. Charlotte! Et Charlotte, tu y as pensé? Elle va encore s'éloigner un peu plus de toi. Elle me comprendra un jour. J'en suis sûre. J'aimerais faire quelque chose ici. Pour vous. C'est pas possible d'être aussi belle.
tourmente? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Tu n'es pas tranquille. Je le sens. Ce sont les médicaments que tu prends? Tu laisses rien paraître. C'est difficile à cerner. Je commence à peine à me cerner moi-même. La recette que tu donnes au marché, c'est de toi? Ouais. Je vais peut-être même en faire un livre un jour. Après le dîner, je te dirai si je l'achèterai ou pas. Que ta mère était malade. C'est pour ça que je suis revenue ici. T'as de la chance. Je veux dire, c'est bien que vous ayez du temps tous les deux. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Tu m'as jamais demandé où j'étais quand c'est arrivé. Désolée.
442. Pas de chez moi. Ici. Tu me laisses. Les résultats des tests ADN que nous avons effectués laissent supposer qu'il était sur les lieux le jour du drame. Il a accepté de parler. Mais à condition que ce soit vous. Je sais que c'est pas évident. Réfléchissez bien avant de faire votre choix. Je suis arrivé à 16h15. Comment tu peux être aussi précis? Je suis venu tout de suite après que ma mère est partie pour l'église. J'ai frappé, mais elle n'a pas répondu. Je suis entré. Continue. Des objets étaient par terre. Des journaux découpés. Un verre cassé. Je l'ai appelée. Elle était étendue sur le sol à côté de la table. J'ai pensé qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle était évanouie. Des ciseaux étaient à côté d'elle. Son œil était blessé. Elle respirait plus. Je l'ai pas tué. Je l'ai pas tué. Il faut que je vous montre quelque chose. Il n'aurait jamais pu faire du mal à cette femme-là.
Et si ça avait été un homme? T'étais prête à partir en laissant un blessé? Oui. J'ai pensé qu'à moi. C'est un signe. J'ai toujours su. Ça recommence. Maman, tu m'avais promis, tu te rappelles? Aucun sens, ce que tu racontes. Je n'y peux rien. Je vois de gros problèmes liés à l'eau. L'eau? Pourquoi vous me dites ça? Vous ne pouvez pas me dire ça. Il est enterré. Je sais qu'il va se passer quelque chose à cause de cet endroit. C'est ma mère. Je suis désolée. Un simple verre d'eau l'a tué. Que vous allez trouver quelque chose. Je pourrais pas te voir ce soir. Ma fille vient tout à l'heure. C'est un signe. Maman, tu m'avais promis, tu te rappelles ?
Madame Néris? Je suis désolée, je ne peux pas vous recevoir maintenant. Revenez ce soir à 6 heures. Tu vas pas te mettre dans un état pareil à cause d'un cerf. Je sais qu'il va m'arriver quelque chose. J'ai l'impression que j'ai toujours vécu avec ce cerf mourant. J'ai peur. Tu étais là le 19 février, tu l'as vu le jour de sa mort. Elle m'a appelé à 5 heures du matin. Elle était totalement paniquée, elle avait peur. Je voulais pas te chagriner. Je connais ta réaction par rapport à ces missions. Faut que tu me dises l'heure exacte de ton arrivée, de ton départ. Charlotte, c'est quoi ce bruit? Dis-moi l'heure. Ça fait longtemps que je voulais t'en parler. Il faut que tu ailles raconter ce qui s'est passé. Je peux pas. Il faut que tu le fasses. On ne sera pas tranquille tant que tu ne l'auras pas fait. Qu'est-ce que tu crois? Que je souffre pas? Tu crois que j'ai oublié comme ça? Ce n'est pas avec tes médicaments que tu vas arranger les choses. Je t'accompagne.
On va y aller ensemble. Tu vas tout raconter. Tu t'es enfui, c'est tout. C'est un accident. Qu'est-ce que tu fais? Pense à ses parents. Et ma mère? T'as pensé à elle? Qui va s'occuper de ma mère si je suis plus là? Arrête avec ta mère. Un enfant est mort à cause de toi. Tu as besoin d'aide. J'en suis sûre. Ma mère avait vu de l'eau.
Je l'ai aimée, tu sais. Elle était... Tais-toi! And before we go, resting in the armchair, black velvet, and I can hear the beat from your headphones to where I am. Youth. And did I tell you it's not the LP version? It's a country where they fry people. And still I wanna bring back a baseball hat, sneakers, and a guitar from 57. And see the Everglades. Birds in the Everglades.